Bonjour, je suis Moussa Kourouma. Je travaille chez Rio Tinto au département de la construction comme ingénieur en chef génie civil. Je m'occupe du développement du chemin de fer qui servira au transport du minerai de Simandou vers la ligne de la future Transguinée. Venez, je vous montre. Nous construisons ici 70 km de voies ferrées qui vont connecter notre mine au Transguinéen. Les travaux comprennent la construction de 7 ponts, d'un tunnel et d'une route de construction. Sur ce site, nous construisons également 4 camps qui serviront de logement à nos travailleurs, de bureaux ainsi que de zones de stockage. Côté Rio Tinto, comme vous pouvez le constater, les travaux avancent très bien. 25 km de terrain sont déjà acquis pour l'ouverture du corridor jusqu'à la Transguinéenne. Chez Rio Tinto, la personne humaine est la plus précieuse de nos ressources. Nous accordons une grande importance à la santé, la sécurité de nos travailleurs. Quand j'arrive le matin, la première chose que je fais, c'est de m'assurer que les dispositions sécuritaires sont en place pour les activités du jour, ainsi que les documents HSE et informations sont bien compris par les ouvriers, en plus de vérifier la qualité des travaux sur site. Le projet Simandou, ce sont de réelles opportunités pour l'emploi local. Les communautés à proximité ont la priorité dans le recrutement. Nous les formons et développons leurs compétences. Ils ont l'opportunité de travailler avec des personnes de plusieurs nationalités, ce qui favorise l'échange d'expériences et l'apprentissage. Je suis profondément reconnaissant que Rio Tinto m'offre l'opportunité de partager mes connaissances. En tant que Guinéen, je suis fier de prendre part à ce projet. Une grande opportunité pour moi, l'occasion de contribuer au développement du pays en partageant mes connaissances et mon savoir-faire. J'ai travaillé auparavant sur de nombreux projets, mais celui-là est de loin le plus grand et le plus impactant. Ensemble, avec Rio Tinto, nous pouvons créer un avenir plus prospère pour tous.